the good old prana. Comment allez-vous, chers Agile Loungers, beautiful people all around the world? Alors, encore une fois aujourd'hui, j'avais envie de dialoguer avec vous, même si cette vidéo n'est pas un réel live direct. Cela dit, je suis dans un de mes endroits préférés du Grand Montréal, à la salle, au Parc des Rapides. Et je prenais une magnifique marche de ce printemps qui s'éveille, et puis de toute cette conscience qui s'éveille, et de... Ah, ça fait du bien! J'avais envie de vous adresser quelque chose. J'ai plusieurs clients, comme beaucoup d'entre vous le savez. Et puis, plus récemment, ça devient très inégal et moi, je connais qui je suis, je connais qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que j'ai à offrir pour le monde, pour l'agilité, pour le leadership, pour les gens qui ont envie de se développer. Et vous savez, le ICF, le International Coach Federation, parle souvent de certains de ces éléments que je suis ou je ne suis pas, je vais vous demander votre permission, votre confiance, et ainsi de suite. Et puis... dans bien des cas, on n'a pas... Moi, je le fais toujours avec mes clients. Je ne fais pas juste une entente individuelle ou d'équipe. Je leur explique ça. Je ne suis pas. J'aurais besoin de... Et puis, on pose la question, peut-être pas aussi direct que ça, mais est-ce que vous êtes coachable? Parce que ça devient un élément, je vous dirais quand même, important. Ah, c'est le début du lac Saint-Louis. La Chale, la Chine. Ah, peut-être pas encore, mais enfin, c'est une petite intermède. Alors c'est ça, j'avais envie peut-être de faire ce vlog pour exprimer aux gens la vérité, l'authenticité et l'intention que certaines personnes pourraient avoir. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, vous, si vous êtes des coachs, peut-être m'en faire part aussi de vos expériences dans les commentaires en bas pour qu'on ait cette discussion virtuellement. Et éventuellement, si vous venez au Scrum Beer ou dans d'autres forums, on pourrait s'en parler face à face. D'échanger sur ces expériences-là, parce que ça revient à quelque chose qui est connu, on le sait. Qu'est-ce qui réellement motive les gens à vouloir se transformer, de transformant en latin, qui est changer la forme de. Et puis ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est qu'on veut qu'on facilite les choses pour eux d'une façon agnostique. L'autre chose aussi qu'on peut nous demander, c'est des conseils plus pointilleux, plus tactiques. Et voilà. Et donc, à un moment donné, nous, comme coach, on doit être à l'affût de tout ça, mais qu'est-ce qui répond vraiment aux besoins de la personne qui nous demande? Et une fois qu'on a commencé à collaborer avec eux, à co-créer cette soit transformation, soit cette facilitation, ou soit cette livraison tactique, comment le dialogue s'établit? Est-ce que c'est un dialogue basé sur « je suis le client, tu te tais et écoute » Et c'est un peu ce que j'ai vécu la semaine dernière. Et puis j'ai trouvé ça un peu dommage. Et même en mettant les cartes de l'authenticité sur table, je ne pense pas que la personne était nécessairement prête à recevoir le coaching ou l'interpellation. Où des gens vont vous dire en individuel qu'ils sont contents d'avoir été interpellés ou d'avoir été challengés, et puis que j'aimerais te revoir pour ça. Et de l'autre côté, ils vont faire leur pussy ou leur snowflake avec leur gestionnaire qui lui dit « mais tu n'écoutes pas ». Alors sérieusement, l'écoute, c'est une chose. Il y a l'écoute active, il y a les reformulations. Bon, on connaît tout ce blabla d'agilité comportementale et psychologique. Un coach, même selon la définition de l'ACF et de d'autres, peu importe l'adjectif que vous mettez à côté de coaching, on est aussi là pour vous rappeler l'objectif, s'il a été mis clairement dans l'entente de coaching. Bon, évidemment, quand on va dans un système machine plus qu'un système vivant, et puis qu'on coupe les coins ronds, qu'on ne se donne pas de qualité de présence, bien là, on va aller dans le blâme et dans le jugement. Donc ça, pour moi, c'est déjà en partant une démonstration que ce n'est pas un très bon leader. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement non plus comment on pourrait appeler, de volonté de changer la forme, de changer le savoir-être et le savoir-faire. Donc, tu te positionnes comme coach dans une espèce de entre... il n'y a pas de puriste là-dedans. Là. On reste toujours dans l'agnostic holistique. Mais tu te dis, attends, quelle sera vraiment la proposition de valeur qu'on aura en échange? Alors moi, je dis, puis bon, OK, j'ai appris cette semaine également avec Bob Anderson au sommet du Leadership Concert. Il parlait que... Est-ce que vous parlez le langage contextuel? Est-ce que vous parlez le langage de la culture? Est-ce que vous êtes capable d'avoir donc ce dialogue en parlant le même langage? Donc c'est là que c'est plus de l'écoute. Là, on va parler d'adaptation et d'être capable d'avoir un langage. Si moi je vous parle en français en ce moment et que tous mes clients ou mes collaborateurs qui sont abonnés à Agile Lounge, qui parlent en anglais plus, qui ne comprennent pas le français, ben c'est clair qu'ils ne comprennent pas, ils vont passer à autre chose et puis ils n'écouteront pas cette vidéo-là, ils vont attendre que j'en fasse un en anglais pour l'écouter et vice-versa. OK? On est clair? Bon, parfait. Donc ça c'est au-delà de l'écoute. Parce que je pense que l'écoute, c'est pas chacun son tour. Le dialogue va mener écoute, parler, comprendre, écoute, parler, comprendre. Et puis moi, je préfère aller dans cette optique-là du dialogue. Mais lorsqu'on est dans une société d'experts jack of all trades, je fais exprès, il n'y a plus de spécialisation ou il y a plus ou moins une spécialisation, puis on ne respecte pas le pourquoi on embauche ces gens-là. Qu'ils soient internes ou consultants externes, on embauche des gens et on fait à notre tête. Et puis le coach, lui, qui a cette facilité, cet ensemble-là, il vit dans quoi? Donc, j'avais un collègue il n'y a pas longtemps, un Scrum Master, qui même à Agile Montréal en automne dernier, il a fait « What the hell is an Agile Coach? » Alors, je t'envoie un peu cette question aussi à toi et refaisons du chemin. Qu'est-ce que c'est un coach tout court? Qu'est-ce que c'est un conseiller stratégique tout court? Qu'est-ce que c'est une personne par rapport, comme je disais tantôt, au mode transformationnel, au mode facilitation et au mode de livraison tactique? Dans la transformation, il y aura évidemment de l'aspect stratégique et entreprise. Dans la facilitation, ça peut être pour amener les gens justement à mieux dialoguer et des choses comme ça. Donc, tu sais, puis il ne faut pas oublier une chose, quand tu te connais toi-même, ce qui est mon cas, ce qui est le cas aussi d'une raison d'être très claire d'Agile Lounge, tu reviens à l'élément du « j'ai pas le temps de niaiser » et puis tout ce qui est full of shit autour, bien, au revoir, là. On passe à autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu ma réflexion de ce dimanche 14 avril, après une semaine magnifique d'un sens et qui apporte justement à s'inspecter et à s'adapter. Et puis décidément, cette réflexion est également une sorte de ce que j'appellerais shadow hunting. Et je vais même le partager avec ce client s'il peut comprendre. En privé, évidemment, même si ceci sera public. Et puis, on pourra peut-être continuer le dialogue cette fois-ci, parce que je n'ai pas envie de l'écouter, et je n'ai surtout pas envie qu'il m'écoute. J'ai envie que nous nous écoutions dans un dialogue, un échange constructif et créatif, et puis de comprendre sa raison d'être va m'aider à lui offrir ma raison d'être dans ce processus de transformation ou non. Et puis sinon, bien, on se serra la main, et puis on se souhaitera une magnifique été. Et puis, d'ailleurs, je sens que ça va être une très belle saison, en plus de mon voyage au Pérou. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. Donc c'était Alexandre Frédéric Joly et Agile Lounge qui sign off et qui vous dit à la prochaine capsule. Et, ah oui, c'est vrai, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de le partager, commentez, là. Commençons à avoir une discussion sur les commentaires YouTube et Facebook. Et puis quand on se rencontrera en personne, on ira plus approfondi en se regardant dans les yeux. Allez, je vous dis au revoir et inscrivez-vous au canal si vous n'êtes pas déjà abonné. À bientôt!